Salut à tous, c'est votre humble serviteur Abdou. Vous avez déjà pu m'apercevoir pour parler football sur les réseaux sociaux, que ce soit pour le journal du Real, le Big Five et surtout sur les canaux de TalkFoot. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul puisque je vous propose une interview exclusive, une interview vérité à propos d'un auteur, mais pas que, puisqu'il a été notamment conseiller municipal pour enfants. Il est créateur de contenu cinéma, manga et football. Il est le fondateur de 100% Blues, un média dédié 100% à Chelsea. Mais surtout, il est aussi auteur, compositeur, interprète et producteur de musique. Bref, le CV est lourd, le client est très imposant. Je suis aujourd'hui avec YC Curtis. Bonjour Curtis, comment ça va? Ça va et toi? Très bien, merci. Écoute, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, alors que pourtant bah, tu es énormément présent? Bah écoute, tu m'as fait une belle présentation lors de l'intro, mais effectivement, pour reprendre, je dirais que globalement, on peut parler de création de contenu parce que ça englobe plusieurs choses. Et si je disais par exemple que j'étais que auteur, ce serait peut-être trop restrictif pour tout ce que je fais. Donc oui, comme tu l'as dit, je me présente comme un créateur de contenu, premièrement, auteur par rapport au livre dont on va parler. Ouais. Comme tu l'as dit, sur les réseaux sociaux avec 100% Blues, que j'ai cofondé avec Benji. Donc, on a parlé de foot sur les réseaux, de Chelsea principalement. Dernièrement, on a Shonen Radio aussi, donc, qui parlera de pop culture et de manga tous les vendredis en Space. On avait fait des podcasts aussi sur le foot. Donc, voilà, c'est tout ce qui se passe sur les réseaux, on va dire. Je suis là, mais dans les domaines que je maîtrise, on va dire ça comme ça. Alors, on a abordé en introduction le fait que tu aies plusieurs casquettes. Voilà, on le rappelle, tu as été conseiller municipal pour enfants, tu te décris comme créateur de contenu. Tout cela, je suppose que ça relève d'une certaine curiosité. D'où te vient-elle justement et qu'est-ce qui te pousse à vouloir explorer autant d'univers différents? Je dirais que de base, j'ai été attiré par beaucoup de choses et que... pas tous à la fois, mais une chose à la fois, je dirais justement. Par exemple, comme tu dis, conseiller municipal enfant, c'était qu'à l'époque, j'étais beaucoup intéressé par la politique. Et donc, conseiller municipal enfant, ça me tentait bien de découvrir cet univers de la mairie, etc. Et puis, ça s'est même répercuté sur mes études avec des études en Sciences Po. Mais c'est justement en faisant ces études en Sciences Po-là que j'ai été appelé vers d'autres... domaine, donc la littérature principalement, qui elle a toujours été présente à la base, vraiment école primaire, collège, et c'est vraiment durant mes études de Sciences Po que là je me suis dit que je voulais pas justement faire Sciences Po et que j'allais suivre vraiment la voie qui m'intéressait, qui était la psychologie, l'humain. Donc je voulais faire de la psycho, mais je me suis retrouvé en sociologie. J'ai validé ma première année et après, j'ai pas pu finir car j'avais réussi un concours de la fonction publique. Et donc, c'est depuis en fait cette réussite au concours et que j'ai plus les études que j'ai pu me lancer principalement dans le domaine qui me colle à la peau, on va dire maintenant depuis, qui est la création de contenu, que ce soit dans le domaine foot et surtout dans la littérature et même dans la musique aussi. Alors, quand on a fait autant de choses en si peu de temps, finalement, tu as eu plusieurs vies sur cette période-là donnée. Est-ce qu'on arrive à avoir encore l'esprit très clair? Est-ce que tu arrives à organiser tes journées, à organiser tout simplement ton train de vie en ayant touché à autant d'univers? Bah, je trouve que la question, elle est très pertinente parce que il y en a beaucoup qui se le sont posé en fait et il m'arrive que je me la pose aussi, comment je fais ou comment je ferai dans les prochaines semaines ou comment j'ai fait avant. Parce qu'il faut savoir jongler sur plusieurs terrains, il faut savoir changer de veste facilement. Donc c'est là où c'est compliqué parce que quand on est par exemple étudiant et qu'on aime écrire en même temps, l'écriture à cette époque-là, il fallait... que j'apprenne comment faire pour écrire de manière professionnelle. Et avec les études de Sciences Po, c'était pas possible parce que ça demande beaucoup de temps, d'énergie. Et donc, pour te répondre, je dirais que ça suscite en fait d'éviter peut-être de trop se laisser aller par l'organisation, dans le sens où il faut se laisser des fenêtres de tir, de se dire que voilà,
Par exemple, j'avais prévu vendredi soir de faire, je sais pas, quelque chose. Mmh. Je m'accorde un temps pour me reposer, pour sortir ou autre. Donc, comment jongler je dirais, je me laisse porter. D'accord. J'ai un planning, mais je me laisse porter par, par ce qui peut arriver parce que, et sans culpabiliser parce que c'est justement en essayant de respecter strictement un planning et en refusant de se laisser porter que malheureusement, je pense qu'on perd vite la tête, justement. Mais justement, par rapport à tout ce que tu as dit, est-ce que cette structure que tu te poses de base, même si tu ne la respectes pas vraiment en fin de compte, c'est pas ça qui est un petit peu antinomique? Est-ce que c'est pas ça qui fait qu'en fin de compte, ton contenu est tel qu'il est parce que justement, tu t'autorises cette liberté-là? D'accord avec ce que tu dis dans le sens où c'est ça en fait qui donne à mon contenu son essence, son âme, on va dire, parce que c'est vrai que dans un cas différent, si justement je n'agissais pas comme j'agissais, forcément ça aurait impacté ce que je peux faire dans ma vie au quotidien. Donc forcément que ma manière de faire rend mon contenu unique en fonction de rend mon contenu unique à moi, c'est ça que je voulais dire, et que dans un autre contexte, je pense que je me serais allé à respecter un planning de manière stricte avec une organisation sévère, et c'est là qu'on touche au burn-out en fait. D'accord. Et j'ai déjà eu le cas avec justement la sortie de ce roman, alors même que j'avais quand même des moments de liberté, mais je les avais réduits. Et c'est quand on sent en fait, quand on ressent le burn-out, qu'on décide en fait de se laisser plus de marge. Du coup, comme tu as touché à plusieurs univers qui sont totalement différents. Est-ce qu'il y en a un qui se distingue, pardon? Est-ce qu'il y en a un dans lequel tu étais peut-être plus à l'aise ou tu avais plus de facilité? La question, je la trouve difficile pour moi parce que je ressens pas de difficulté à faire ce que je fais. D'accord. Ça veut dire que si on prend le domaine de la musique, par exemple ici. Je ne vois pas de difficulté en fait précise, mais au contraire, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de contraintes et que c'est plus simple peut-être que l'écriture, parce que l'écriture demande de la réflexion, de la concentration, alors que des fois dans la musique, on peut se laisser aller à faire des choses sans forcément être totalement concentré et être présent. C'est peut-être une blague dit comme ça, mais il y a des artistes qui sont pas clean dans leur tête quand ils sont au studio. Donc, oui. Voilà, ils passent derrière le micro et ils sont pas forcément là à 100%. Et pourtant, ça donne quelque chose justement, peut-être d'unique et peut-être de recherché aussi par les auditeurs. Donc, je dirais qu'en ce moment, ce que je préfère, c'est les débats, les discussions. En ce moment sur des sujets tels que le foot, les films, les mangas. Je pense qu'en ce moment j'aime beaucoup ça parce que je veux m'accorder un peu de répit après la sortie de mon roman. Mais si en général je devais choisir un seul, je dirais qu'écrire des histoires, les planifier, les imaginer, c'est ce que je préfère. Et du coup, cette envie de débat, cette envie d'échange direct avec tes interlocuteurs, est-ce que finalement, c'est pas contraire au principe même d'être un écrivain? Parce qu'on imagine souvent l'écrivain être reclus, peut-être un peu replié sur lui-même le temps de sa production. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du coup? Est-ce que c'est pas finalement c'est un peu fort, tu me diras, mais c'est peut-être un cri du cœur, une envie de se détacher complètement de ça, alors que finalement, ça reste quand même ta production, ça reste même ton petit bébé, si on peut dire ça un peu vulgairement. Si, on peut le dire comme ça, mais ce qu'on oublie souvent quand on dit qu'un écrivain est reclus et autres, c'est qu'il l'est justement que dans le temps de la production, et que quand il n'est plus dans ce temps de production-là, il faut à tout prix qu'il soit ouvert en fait à tout, parce que c'est comme ça que son imagination travaille. Et l'imagination, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, je ne pense pas que ce soit une étincelle ou un talent mystérieux, mystique, qui vient de je sais pas où. C'est comme si c'était un muscle en fait qu'on travaillait, et l'imagination, ça se travaille, ça s'entretient, et c'est comme une voiture, il faut savoir en fait l'entretenir. Quand il y a des pièces qui manquent, il faut savoir aller chercher d'autres ailleurs pour les changer, etc. Et donc l'imagination,
on a besoin en fait de se confronter au monde pour en fait avoir encore plus d'imagination, et peut-être pas plus, mais peut-être avoir une imagination différente aussi pour pas s'enfermer dans un truc unique. Donc en dehors de mon temps de production, quand j'écris pas, j'ai besoin d'aller chercher une nouvelle source d'inspiration ou plusieurs pour continuer ensuite derrière. Finalement, être un créateur de contenu, c'est tout ce que tu as développé jusque-là, tout ce que tu as expliqué jusque-là. Est-ce que tu as une pensée vis-à-vis de ce statut? Parce qu'on sait, voilà, sur les réseaux sociaux, il y en a plein. Certains même sont appelés les influenceurs. Qu'est-ce que tu penses de cette appellation-là? Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça t'inspire? Et surtout, est-ce que tu t'imagines perdurer en tant que créateur de contenu, ou bien tu vas revenir à quelque chose de plus classique comme Monsieur Tout-le-Monde? En fait, le terme créateur de contenu, je trouve qu'il veut dire beaucoup de choses et rien à la fois, parce que créateur, jusque-là, ça va. De contenu, de quoi on parle? De quoi on parle quand on dit contenu? Parce qu'au final, un cuisinier, c'est un créateur de contenu, vu que la cuisine, c'est un contenu, quelque part. Il fait un plat, donc le plat est un contenu. Donc, moi, je trouve que le terme, il est trop vague pour mettre tout le monde dedans, en fait. D'accord. Il suffirait juste, en fait, que je fasse une photo, que je la mette sur Instagram, et hop, je deviens créateur de contenu. Et en soi, c'est dans les termes, c'est la vérité, parce que on est tous finalement créateurs de contenu si on a tous un réseau qu'on entretient avec des photos, des stories, des vidéos. Donc, si moi, je devrais retenir un mot là-dedans, en dehors de créateur de contenu, ce serait juste auteur. Okay. Sans rien ajouter de plus, parce que quand on dit que quelqu'un est auteur, en fait, c'est que de base, il est écrivain, oui, mais pas que. Un auteur, ça peut être un scénariste, ça peut être un réalisateur, ça peut être beaucoup de choses, justement. Et je trouve que le terme auteur serait plus approprié, parce que auteur, ça suppose de créer des choses, d'imaginer des choses. Et quand on parle d'auteur, je pense qu'on parle plus de quelque chose de précis. Auteur dans un domaine, auteur de quelque chose. Et dans le cas d'un écrivain, on va dire qu'il est auteur dans son genre à lui, que ce soit auteur de romance, auteur de polar, etc. etc. Tu as fait énormément d'univers, comme on l'a développé jusque-là. Tu as notamment plusieurs appellations en fonction de l'univers. YC Curtis, Curtis, l'Authentique, le Prince. Finalement, quelle appellation te correspond le plus? Quelle appellation te touche le plus? Je retiendrai Curtis parce que, au final, c'est celui qui revient un peu partout. Et c'est surtout celui avec lequel j'ai commencé cette carrière, si je peux dire ça comme ça, d'auteur, de créateur de contenu, parce que c'est un prénom, mais au final un prénom, dans mon cas à moi, qui veut tout dire et qui renvoie à tout ce que je fais. Donc c'est celui que je retiendrai le plus, je pense, parmi tous les surnoms qu'il y a pu avoir. Alors on le sait, on est là parce que tu as sorti le 5 juillet 2023 Bataille pour la suprématie, comme on peut le voir à l'affiche juste en fond. Tu as 25 ans, ce qui fait toi un jeune auteur. On peut même dire que dans le domaine, tu es plutôt précoce. Est-ce que déjà tu peux nous présenter le livre, s'il te plaît? Bataille pour la suprématie, en tout cas celui que j'ai sorti, c'est le premier roman d'une saga de science-fiction fantasy. D'accord. À destination young adulte, qui reprend en fait l'univers dans lequel j'ai grandi, avec mon imagination à moi, avec mes influences à moi. Et donc, dans cette saga-là, on suit Chris Riders, 19 ans, qui évolue dans un pays fictif, Speroland, et recherche en fait l'héritage laissé par le fondateur du pays. Et cet héritage-là, en fait, recèle quelque chose de mystique, de mystérieux, de magique, qui inspire en fait bon nombre de personnes qui cherchent à s'en emparer, qui sont les Challengers. Mm-hmm. Et Chris Riders, du coup, qui a grandi dans cet univers auprès de Sony, qui est plus âgé que lui, décide de se rendre, quand il a 19 ans, de partir à l'aventure afin de trouver cet héritage laissé par le fondateur du pays. Mm-hmm. Et on suit donc son évolution sur une saga de 6 tomes. Et il y a beaucoup d'inspiration derrière. Du coup, comment est-ce que tu as eu l'idée de ce roman? Pourquoi Bataille pour la suprématie? Pourquoi cet univers de science-fiction, fantasy? Pourquoi tout ça? À la base, en fait,
je dessinais, j'écrivais des petites histoires depuis la fin de l'école primaire, c'était CM2. Mm-hmm. Et donc, j'ai été beaucoup inspiré, évidemment, par les mangas, Dragon Ball à l'époque, ensuite Naruto, où je tentais en fait d'écrire la suite via des fanfictions, de faire des dessins, etc. Et puis, petit à petit, est venue l'idée, en fait, de mon propre univers, de ma propre saga quand j'étais au collège. Et donc, c'est à partir de là que j'ai essayé d'imaginer ce que je pourrais faire de cet univers-là. Et donc, pourquoi Bataille pour la Suprématie? Je me souviens en fait qu'à l'époque, c'était en 2011 ou en 2013, je ne sais plus c'est laquelle année entre les deux, je faisais en fait des BD parce qu'à l'époque, 2011-2013, en fait, il y avait la sortie de Modern Warfare 3, Call of Duty. Mm-hmm. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tout de suite été marqué par cet univers en fait de soldats, de guerre, etc. Parce que pour le coup, Modern Warfare 3 explore l'éventualité d'une troisième guerre mondiale. Et donc, il y avait une énorme influence de ce jeu sur ce que je pouvais imaginer, etc. Et en fait, de base, ça partait de là. D'accord. Et j'ai voulu recommencer, repartir sur de nouvelles bases pour faire une vraie histoire avec un vrai protagoniste et pas plusieurs comme dans les jeux Call of Duty. Et c'est là, en fait, que je me suis dit comment je pourrais appeler ce que je voulais... mettre en place, donc comment je peux appeler cette saga. Mmh. Et je me souviens que le premier nom que j'avais trouvé, c'était Le Prix de la Guerre. D'accord. Donc, qui est forcément une référence directe à Call of Duty. Et c'est pour ça d'ailleurs que la première version de ce roman, avant qu'on ait la version définitive, s'appelait L'Appel du Devoir et pas L'Appel du Destin. Mmh. Donc Bataille pour la Suprématie, Call of Duty. Oui. Et donc c'est pour ça que du coup, j'ai fait... dans cette nouvelle version, j'ai revu en fait comment je pourrais vraiment appeler cette saga. Et c'est là en fait que m'est venue l'idée, à l'époque avec l'essor d'Hunger Games, etc., les batailles royales. Ouais. Je me suis dit qu'il fallait que dans tous les cas, je mette le mot bataille dedans parce que ça représente bien l'univers et bien l'histoire. Suprématie, parce que suprématie, ça renvoie au fait d'être supérieur aux autres, au fait d'être... d'avoir une dynastie, de voilà, d'imposer quelque chose d'indiscutable. Celui qui est au-dessus des autres. Voilà. Et donc, bataille pour la suprématie équivaudrait à la bataille pour celui qui va être au sommet de la montagne, quoi. Et c'est comme ça que j'ai trouvé. Et pour le coup, quand j'avais trouvé, après Le Prix de la Guerre, quand j'ai changé par bataille pour la suprématie, pendant une semaine, j'arrêtais pas de me répéter qu'est-ce que je suis bon. Parce que j'étais certain d'avoir trouvé le titre qu'il fallait. C'est vrai que pour le coup, le titre est accrocheur. Je voudrais qu'on revienne sur tes créations de quand tu étais plus jeune. Tu parlais du fait que voilà, depuis ta tendre enfance, en fin de compte, bah, tu étais auteur puisque tu inventais des histoires, tu créais des fanfictions. Est-ce que c'est ça qui t'a poussé à créer Bataille pour la Suprématie ou c'était parti d'autre chose et t'as décidé d'explorer justement cela pour enrichir l'univers de Bataille pour la Suprématie? Dans mes souvenirs, Bataille pour la Suprématie, ce qui m'a donné envie de lancer cet univers-là au-delà de Call of Duty et de cet univers de soldats qui effectuent des missions, c'était Kid Next Door. Kid Next Door, Cartoon Network, il me semble, si je me souviens bien de la chaîne. Et le fait, en fait, que les personnages dedans soient des enfants et qu'ils aient des noms de code avec des numéros, ça m'a marqué, en fait. Ça m'a marqué, ils effectuaient des missions comme ça. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant ça. Et donc, c'est comme ça, en fait, que l'inspiration de Call of Duty que j'avais, qui étaient des soldats, sont devenus des sortes d'agents secrets avec des numéros. Donc, les Strivers de la DFPI sont directement tirés, en fait, de Kid Next Door, qui finalement m'a peut-être définitivement lancé sur l'idée d'écrire Bataille pour la Suprématie. Mais c'est vrai que la DFPI et les Strivers sont venus avant le personnage principal, Chris Riders. Donc, James Cordo a été imaginé peut-être avant Chris Riders. Ah. Mais au final, c'est bien Chris Riders le protagoniste. Mais James Cordo, est-ce que finalement, n'aurait pas pu être le personnage principal? Ou du moins, comme tu es adepte de fanfiction, est-ce qu'un jour, on ne verrait pourquoi pas une fanfiction où c'est James Cordo justement le personnage, le protagoniste en fin de compte? C'est l'idée en fait que j'en avais de base. Mm-hmm. L'idée que j'avais de base était... De partir sur James Cordo en tant que personnage principal. Mais en fait, je ne voulais pas me lancer là-dessus parce que je voulais proposer justement quelque chose de différent
de mes inspirations primaires. Mmh. Parce que je me voyais mal, en fait, reprendre Call of Duty ou Kid Next Door avec James Cordo. Parce que je pensais que j'allais pas avoir assez de liberté, que j'allais pas pouvoir sortir de cette inspiration-là. Mmh. Et par contre, concernant une éventuelle histoire où James Cordo serait protagoniste, je pense que c'est possible parce que dans l'histoire, il a une place très importante, même si il a pas beaucoup de passages dans ce livre. Oui. Et je prévois, je pense, un jour écrire une histoire centrée sur James, en sachant que s'il n'était pas protagoniste et que c'était Chris Riders, j'avais aussi retenu l'idée de base que James quitte la DFPI et rejoigne Chris Riders pour devenir Striver avec lui et pour qu'en fait il soit partenaire. Mais au final, j'ai trouvé peut-être que ce soit plus intéressant qu'il y ait une confrontation des deux qui ont les mêmes envies, mais qui a un chemin différent pour l'accomplir. Les mêmes idéaux, mais pas les mêmes points de vue. Je voudrais qu'on revienne du coup sur le personnage principal, Chris Riders. Quelles ont été tes inspirations pour créer ce personnage-là? Chris Riders a été imaginé en 2016. D'accord. En 2016, parce que en 2016, c'est là où je me disais que Bataille pour la Suprématie doit voir le jour et qu'il fallait que je me lance et que ça allait pas être James Cordo le personnage principal. Mm-hmm. Et c'est à ce moment-là qu'il me fallait un personnage principal. Et comme tout jeune auteur, quand on veut écrire une histoire totalement fictive, on s'imagine en tant que le protagoniste. Donc forcément, je me suis imaginé moi en tant que protagoniste. Puis petit à petit, j'ai effacé ma présence dans l'histoire pour avoir un personnage unique qui n'est pas moi. Mm-hmm. Et Chris Riders m'est venu parce que c'est là où intervient mes inspirations manga et surtout One Piece à ce moment-là. D'accord. Chris Riders intervient au moment où en 2016, j'ai repris One Piece que j'avais arrêté à la fin de la saga East Blue. D'accord. Et à ce moment-là, j'ai repris One Piece. Et c'est là que je me suis dit, mon personnage principal doit avoir des similitudes avec Luffy, mais pas que. Parce que le personnage du shonen Neketsu, c'est peut-être le personnage, quand on fait une saga avec autant d'action, c'est peut-être le personnage type qu'il faut. Celui qui doit se dépasser, il est jeune, il doit évoluer dans un monde d'adultes. Il doit se dépasser, il doit subir et se relever. Mmh. Et au final, le shonen Neketsu, ça marche pour tout. Pareil aussi pour Harry Potter, pareil pour Percy Jackson, qui sont aussi des influences de Bataille pour la Suprématie. C'est des jeunes adultes qui doivent affronter des dangers que même des adultes plus âgés qu'eux et plus expérimentés n'arrivent pas à dépasser. Et Chris Riders est venu dans cette idée-là. Justement, tu nous parles de Chris Riders, tu parlais de ta présence que tu as effacée petit à petit. Finalement, est-ce que Chris Riders n'est pas la matérialisation de tes rêves? Est-ce qu'il n'est pas l'image de ce que tu aurais voulu être, peut-être? De ce que j'aurais voulu être, je ne pense pas. Mm-hmm. De la matérialisation de mes rêves, je ne peux pas mentir que ce n'est pas le cas. Parce que forcément, même si j'ai effacé ma présence de personnage, il est imaginé de base en étant moi. Donc c'est pour ça que, au fil de la saga, je lui ai fait vivre des événements que j'ai moi-même vécu, mais de manière décuplée et dans le contexte à l'histoire. Mais je dirais que Chris Riders, en fait, c'est plutôt la part de moi quand je suis dans mes rêves, en fait, quand je dors. Mmh. Quand on rêve, on imagine qu'on vole, qu'on fait des choses, etc. Ouais. Chris Riders, au final, c'est peut-être l'enfant que j'étais qui se retrouve dans l'univers de Dragon Ball, Naruto, dans l'univers de ses héros, quoi. D'accord. Donc, je verrais plutôt ça comme ça. Rapidement, quel est ton moment préféré dans le roman? Parce que voilà, dans le tome 1, qui est très introductif, on sent que tu as pris le temps de poser les bases, de nous présenter l'univers dans son ensemble. Est-ce qu'il y a un moment qui t'a particulièrement plu, que ce soit au moment de l'écriture ou même à la relecture? Est-ce que tes supporters, tes fans t'ont fait part d'un moment qu'ils ont particulièrement apprécié? Un moment que les lecteurs auraient apprécié? Je pense que les lecteurs ont beaucoup apprécié le moment où il y a cette bascule entre le Chris d'avant qui cherchait en fait à être
ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire un challenger, c'est-à-dire quelqu'un qui combat, qui doit utiliser la violence. Et cette bascule-là, je pense qu'elle intervient à Black Hood, oui, où Chris Rider se dresse dans le domaine Roca contre l'ennemi qui envahit le domaine de cette famille. Et quand Chris, en fait, prend la cape du héros, je pense que c'est le moment qu'ont préféré les lecteurs, parce que ce qu'ils me disent beaucoup, c'est que leur personnage favori, c'est Ryu. Oui, c'est le mien aussi. Voilà. Et donc, les lecteurs, en fait, aiment beaucoup Ryu. Mais certains qui m'ont fait part de leur lecture en direct au fur et à mesure m'ont dit, finalement, Ryu, c'est pas mon personnage préféré, c'est Chris. Parce que c'est vrai que Ryu prend beaucoup de lumière au début. Oui. Mais dès le moment où Chris se trouve, ou sait qu'il doit agir, il y a une bascule. Et cette bascule-là, c'est leur moment favori concernant Chris en majorité. Moi, mon moment favori à titre personnel, c'est pas les moments de combat, c'est pas les moments d'action. C'est plus les moments où on est dans le domaine émotionnel. Et le moment qui m'a particulièrement marqué quand je l'ai écrit, et pour le coup, ça fait très longtemps que j'avais écrit ce moment-là, c'est le moment où en fait Sacha accepte définitivement de suivre Chris et les autres dans la clinique. Ouais. Où Chris en fait montre qu'il est digne de confiance. Et Sacha, qui n'avait jamais eu l'habitude de suivre quelqu'un, de faire confiance à quelqu'un hormis elle-même, et qui accepte en fait de le suivre, pour moi ça a beaucoup de symbolique. Et la première fois que je l'ai écrit, c'était peut-être en fin 2016, il faisait nuit, j'ai commencé à l'écrire et il était très tard, 3 heures, quelque chose comme ça. Mmh. Je l'ai terminé vers 5-6 heures, parce que j'avais d'autres chapitres entre temps, je l'ai terminé vers 5-6 heures celui-là, et il y avait la levée en fait du jour à ce moment-là. Mmh. Et ça m'a vraiment atteint. Ça m'a atteint de me dire, j'ai terminé ce chapitre-là au moment où le soleil se lève. Ça veut dire quelque chose. Comme exactement dans le livre, justement, où le moment où Sacha se retrouve à l'hôpital pour sa petite sœur, et il se trouve qu'elle sort de l'hôpital au moment du lever du soleil. Est-ce que dans ton écriture, tu as été influencé par le temps, par l'horloge qui était à côté de toi, ou c'est une simple coïncidence et tu t'es dit, et c'est cette coïncidence-là qui t'a donné ce sentiment de satisfaction? Non, je pense que c'est une coïncidence, mais ce n'est pas ce moment de satisfaction-là. Ce n'est pas ce lien que je fais entre les deux. C'est vraiment le fait que j'ai ressenti en fait la puissance de la scène à titre personnel et que le soleil se lève derrière. C'est une symbolique pour Sacha qui quitte les ténèbres, on va dire, oui, et la solitude pour essayer de suivre son ange gardien, comme elle l'appelle. Alors, tu parlais justement du fait que Chris, au départ, n'est pas un héros et il le devient au fur et à mesure. Moi, je voudrais revenir sur Ryu, parce que déjà, c'est mon personnage préféré. Et il y a quelque chose, moi, qui m'a touché dans ce livre. C'est la description qui est faite par la petite fille Anna, qui l'appelle le héros au bâton. Et je trouve ça fascinant qu'au départ, justement, Ryu soit décrit comme un héros. Et on imagine que c'est Ryu, un petit peu le leader de la bande. Et finalement, c'est pas le cas. Comment t'expliques ça? Et qu'est-ce que t'as voulu créer à travers ce fait-là? Parce que je trouve ça super, super, super drôle, en fin de compte. C'est même très touchant qu'on ait la voix d'une petite fille qui voit le héros classique avec un bâton, qui sauve tout le monde, même si c'est pas lui, en fin de compte. Mais qu'est-ce que tu peux nous en dire de cette séquence-là? Qu'en fait, le moment où Chris rencontre Ryu, on est sur l'arc narratif de Ryu. Et qu'à ce moment-là, j'ai voulu en fait que Chris entre dans l'univers des Challengers via un Challenger pas accompli, mais qui a quand même un certain bagage. Car Ryu, à ce moment-là, a peut-être environ une année de chasse aux Challengers dans la forêt à Blackwood, où ils les confrontent. Donc, il fallait quelqu'un en fait qui fasse le lien entre la vie civile et la vie chez les Challengers, quelqu'un que j'appelle les initiés dans le livre. Et le fait que Ryu soit autant mis en avant à ce moment-là, je dirais que c'est parce qu'on est sur son terrain, que Blackwood y connaît bien, que j'ai voulu en fait montrer au lecteur que on est sur l'histoire de Chris, c'est vrai, c'est lui le personnage principal, mais le personnage principal ne l'est pas s'il n'est pas soutenu par les personnages secondaires, ceux qui sont autour de lui. Et c'est un petit peu comme ça dans la vraie vie. C'est
l'élément principal est toujours soutenu par des éléments secondaires et il n'y a pas de moteur en fait unique sans rien, parce qu'un moteur sans rien ne fonctionne pas. Et à ce moment-là, vis-à-vis d'Anna qui voit Ryu comme un héros, le but en fait était de montrer dans la logique que Ryu était déjà prêt, car ça faisait longtemps qu'il était déjà là-dessus, alors que Chris venait d'être introduit à cet univers-là. Et je vois, j'aime bien dire que Chris en fait est un peu comme une diesel, c'est qu'il démarre lentement, mais quand il est démarré, c'est bon quoi. Et c'était ça le but. Avant de passer aux coulisses de la conception du livre, juste rapidement, jusque-là, parmi tous les personnages qu'on a pu dépeindre, et même se présentent dans ce premier tome, quel est ton personnage préféré, tout simplement ? À l'époque, quand j'ai commencé à écrire, c'était Sacha. D'accord. Parce que ce n'est un secret pour personne qu'elle est inspirée directement de la catcheuse Sacha Banks, oui, que j'aime beaucoup, mais surtout que c'était le premier personnage féminin que je développais. Dans toutes mes histoires que j'ai pu inventer, c'est l'unique et le premier personnage féminin avec qui j'ai pris le temps de faire un background, de développer, de lui donner une narration. J'avais jamais fait ça avant. Et donc forcément, ça m'a touché profondément et ça m'a fait aimer en fait ce personnage. Car c'est une femme qui se bat seule pour ce qui lui reste, la seule chose qui lui reste dans la vie. Sa petite sœur. Et donc, c'est pour ça que c'était mon personnage favori à ce moment-là. Mais comme tout auteur, en développant au fur et à mesure ma saga, j'ai imaginé des scènes pour un personnage en particulier qui est maintenant mon favori, parce qu'à chaque fois que je le mets en scène, que je le développe, il se passe quelque chose. Dans l'histoire, les gens autour s'écrasent face à lui, bien que ce n'est pas celui qui est le plus imposant. Moi, il me touche personnellement, mais c'est le capitaine Vauclore. C'est le capitaine Vauclore, mon personnage favori, parce que ce n'est pas le plus imposant physiquement, parce qu'il n'a pas cette aura normalement comme ça, quand on le voit, on a peur de lui, mais ses actes parlent pour lui. On sait que lui, quand il agit, c'est qu'il va se passer quelque chose de bien pour les héros. Quand lui, il entre en scène, les challengers en face savent qu'il vaut mieux fuir que de tenter de le confronter. Et c'est mon personnage favori parce qu'il a un rôle particulier que je ne peux pas dévoiler maintenant, mais qui fait que peut-être sans lui, l'histoire n'est pas la même. D'accord, joli teasing pour la suite de ta saga. On va maintenant s'intéresser aux coulisses et à la conception de ton livre. Tu as publié ce livre en auto-édition. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste l'auto-édition ? L'auto-édition consiste à publier son livre par ses propres moyens, seul, sans aide, entre guillemets, extérieure, donc sans l'appui d'une maison d'édition. D'accord. J'ai publié ce livre en auto-édition parce que aucun éditeur n'était prêt, ou n'aurait été prêt, parce que j'ai même pas tenté au final, quand je voulais le sortir, à le prendre en charge, surtout pour une saga de 6 tomes. Une saga de 3 tomes, je dis pas, peut-être. Une trilogie, c'est facile à faire, 1, 2, 3, et voilà. Mais 6, surtout pour un primo-romancier, comme on l'appelle, donc un auteur qui sort un premier roman, ça allait être difficile. Donc j'ai choisi cette voie parce que j'avais beaucoup d'idées de communication, beaucoup de stratégies marketing autour et un vrai univers à partager comme je l'entendais. Mais je ne voulais pas être limité non plus. Voilà pourquoi j'ai choisi l'auto-édition. Et donc, c'est-à-dire que la couverture, l'écriture, la maquette, tout, c'est moi qui l'ai fait. Je dis moi, entre guillemets, parce que évidemment, comme je disais tout à l'heure, même un auteur qui est le personnage principal de l'aventure de la publication d'un roman ne fonctionne pas tout seul. Ouais. Donc, auto-édition, oui, mais pas auto-édition où j'étais seul. Et j'ai eu énormément de personnes qui m'ont aidé, en passant par Kurt, qui a fait la couverture de ce livre, qui est le point fort du livre, parce qu'il n'y en a pas un qui ne m'a pas parlé de cette couverture. Oui. Tout le monde a dit ta couverture est incroyable. Et donc c'est Kurt avec l'illustratrice Lou qui a dessiné Chris Riders le fond. Une autre Lou du coup qui m'a aidé en fait à entrer dans le monde de l'édition et d'établir une vraie stratégie de communication et marketing et de design aussi, la DA en fait, hein, de mon compte Instagram. Donc
tout ça, toutes ces personnes-là, en fait, ont aidé à faire en sorte que ce livre soit publié, sans oublier Barbara, qui est la correctrice du livre, qui a corrigé le livre de fond en comble pour donner la meilleure version possible. Pour rester sur le volet de la communication autour de ton livre, on a vu sur tes réseaux sociaux, notamment sur ton compte Instagram, il y a toute une actualité dédiée à Spiroland. Tu as même récemment inventé un journal, une news pour animer ton univers. Même si on n'a pas encore le second tome, on est vraiment plongé dans cette sphère-là comme si c'était quelque chose de très réel. Est-ce que tu peux nous en parler de ce procédé et comment tu comptes entretenir cette flamme-là? En fait, je me suis imaginé un univers à part entière. Mmh. Et c'est ce que j'ai promis d'ailleurs aux lecteurs qui seraient tentés par l'aventure, c'est qu'ils allaient entrer dans un pays. Qu'ils allaient entrer dans un univers, dans un pays fictif. Je prends forcément Harry Potter pour référence parce que c'est la saga qui a le mieux marché en littérature. On peut aussi parler du Seigneur des Anneaux, évidemment. Oui. Mais Harry Potter a plus vendu que le Seigneur des Anneaux. Et donc, c'est pour ça que je prends Harry Potter. L'école de Poudlard, l'univers des mages dans Harry Potter, en fait, est quelque chose d'unique. Et quelque chose, quand on lit Harry Potter, on sort de la vraie vie, on entre dans un vrai univers. Et J.K. Rowling a été appuyée par des films, par des figurines, des goodies, par plein de choses qui font qu'on entre dedans. Qu'est-ce qui m'empêcherait, moi, de faire entrer les gens à Spiroland? J'ai mon pays fictif, j'ai mon univers avec les initiés, les non-initiés, donc ceux qui sont sensibles à la bataille pour la suprématie et ceux qui ne le sont pas. Donc j'ai voulu faire en sorte que les gens, en fait, comme je l'ai promis dans ma communication, se sentent dans faire partie de quelque chose. Tout ce travail-là, ça demande énormément de temps, ça demande énormément d'énergie. Est-ce que du coup, est-ce que tu es satisfait du rendu, en sachant que pour ceux qui ne le sauraient pas, tu as déjà créé un premier jet Bataille pour la suprématie, l'appel du devoir, mais ce n'était pas à tes goûts, ou du moins tu t'es dit je vais recommencer, d'où la présence de ce tome-là en particulier. Est-ce qu'aujourd'hui tu es satisfait de ton travail? Sur ce roman, oui. D'accord. Si on parle de l'écriture du roman, il m'arrive quelquefois en séance de dédicace d'avoir la main tremblante quand je dois signer. Quand on me dit, voilà, je suis intéressé par votre livre, je vais l'offrir à mes enfants. Quand j'écris la dédicace, des fois, je me dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de vendre un truc, le gars, ça se trouve, il va pas être content. Alors que c'est ce que je veux, que la personne entre dans cet univers-là. Donc, il y a ce léger syndrome de l'imposteur qui reste, mais vis-à-vis de ça, je reste satisfait parce qu'il m'arrive d'ouvrir quelquefois le roman et de lire des passages au hasard ou alors des passages ciblés juste pour me remémorer ce que j'ai pu écrire. Et c'est là que je me dis, mais pourquoi je m'inquiète? Parce qu'au final, le roman est comme j'ai voulu qu'il soit. Donc, à ce niveau-là, si on prend que ça, oui, je suis satisfait. Tu es parti sur une saga de 6 tomes, du coup, mais avec tout ce qui a pu se passer, les événements récents, que ce soit toi dans ta vie de tous les jours ou autre chose, parce qu'à un moment donné, tu t'es dit, ah, quand même, c'est un peu compliqué, je suis en plein d'inspiration, peut-être même tu as eu envie d'abandonner, que sais-je. Quelles sont les pensées négatives qui ont pu te toucher ou qui ont pu t'entourer pendant la conception de cette saga? Ce que tu as décrit, le fait que peut-être que c'était trop ambitieux pour moi, surtout pour un premier projet, en sachant que j'ai beaucoup d'amis auteurs et autrices qui s'éclatent en maison d'édition avec un seul livre, un one shot. Et donc, quelquefois, je regrette de ne pas avoir commencé par un one shot qui n'a rien à voir pour me faire connaître et avoir lancé ma saga après. Mais en fait, ce regret est vite remplacé par cette satisfaction de se dire, mais il y a 10 ans, en 2013, ça ne concernait que moi et ce que je dessinais sur le papier. Aujourd'hui, tout le monde peut le retrouver. Donc, je ne pense pas que j'ai de regrets à avoir à ce niveau-là. Mais c'est vrai que s'il y a quelque chose
que j'aurais voulu changer en retournant en arrière, c'était en fait de remplir un peu plus le premier tome pour faire une trilogie. Parce qu'à ce moment-là, j'aurais pu le proposer en maison d'édition qui aurait peut-être pu le prendre. C'est peut-être le seul regret que je peux avoir là-dessus. Mmh. Mais en même temps, s'il a été découpé en 6 tomes, c'est qu'il y a une raison que les gens découvriront, évidemment. Mais je préfère m'en tenir à ça. Est-ce qu'il y a un message que tu souhaites véhiculer à travers ce livre ? Parce qu'on le sait, finalement, tout à l'heure, tu évoquais le fait que voilà, tu as mis un peu de toi dans le personnage principal. Tu as eu plusieurs influences. On est sur un héros Shonen Neketsu classique, en fin de compte. Est-ce qu'il y a un message en particulier que tu veux véhiculer ? Est-ce qu'au contraire, c'est juste t'as envie de partager ton imagination comme le petit garçon que tu étais avant ? Qu'est-ce que tu veux véhiculer à travers cette saga ? À la base, quand j'ai commencé à écrire cette saga, le but, c'était que de partager mon imagination. De me dire que voilà, j'ai été influencé par telle œuvre et donc maintenant moi j'ai voulu partager ce que j'imaginais si c'est moi qui étais aux commandes d'histoire. Mais une histoire solide n'a pas en fait qu'un partage d'une imagination. Il y a forcément un message derrière, il y a forcément un but, parce que on n'est pas censé écrire une histoire sans but derrière. Et donc le mien, ou en tout cas le message que je veux faire passer, on est beaucoup sur cette idée en fait de la destinée. Mmh. D'où le titre, L'appel du destin. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu faire passer ce message. Est-ce que le destin au final nous impose notre condition ? Est-ce que tout est tracé depuis le début ? Mmh. Ou est-ce que on est libre de ses choix ? Est-ce que on n'est pas guidé par quelque chose de supérieur ? Et donc, l'idée est là, en fait, à travers cette saga, de voir si Chris, au final, n'a pas été, entre guillemets, programmé. Est-ce qu'il n'est pas né pour faire ce qu'il fait ? Ou est-ce que c'est le cas ? Telle est la question. J'ai une toute dernière question avant qu'on passe à autre chose. À quoi doit-on s'attendre dans le tome 2 ? Là, c'est le petit instant teasing. Tu nous as mis l'eau à la bouche. Le tome 1 finit en apothéose. Qu'on aimerait savoir, est-ce que dans le tome 2, à quoi s'attendre ? Est-ce qu'on retrouvera certains personnages ? Est-ce qu'il y en a d'autres qui seront introduits ? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le tome 2 ? Et surtout, quand est-ce qu'il va arriver ? Concernant le tome 2, la première question en fait à se poser, c'est est-ce que certains s'en sortiront vivants ? Oh ! Ça, c'est la question. Oh ! Ça, c'est la première question à se poser. Ensuite, à quoi peut-on s'attendre dans le tome 2 ? J'en ai pas encore parlé, d'ailleurs c'est une exclue hein, que je fais ici, parce que j'ai pas encore parlé de ce qu'on pouvait attendre dans le tome 2. Comme quoi ? Ben oui, dans le tome 2 en fait, on peut s'attendre à la manière à voir Chris gérer son groupe et de voir de quelle manière, voilà c'est ça que je voulais dire, de quelle manière Chris va pouvoir gérer son groupe. Est-ce qu'il va pouvoir assumer officiellement ce statut de challenger et de fondateur et chef de groupe de challenger avec les complications qu'il y a autour. Et surtout, et ça c'est je pense qu'il faut retenir pour ce tome 2, je pense que Ryu et Sacha auront un très grand rôle dans ce second tome. D'accord. Et qu'on apprendra beaucoup plus sur eux. Ah ! Voilà. Et juste par rapport au tome 2, parce que pour le coup j'étais vraiment plongé dedans, il y a quelque chose moi qui m'intrigue, c'est est-ce qu'on va retrouver Tenae finalement, qui est... Le boss, le grand méchant, celui qui a poussé Chris à devenir un challenger malgré lui. Est-ce qu'on le retrouvera dans le tome 2 ou pas ? L'antagoniste principal ne peut pas être absent, surtout lors de grands événements. Ah. Et donc, dans une saga, on ne peut pas se passer de son antagoniste sur un tome. Ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas une surprise ou un secret, mais oui, Tenae sera bien de retour. Évidemment. Est-ce que tu peux nous... Autre exclu, est-ce que tu peux nous donner le titre du tome 2 ou ça, par contre, je ne peux pas. Ah je ne peux pas tout donner. On aura essayé. On va parler un peu plus de toi, sans détour, si tu le veux bien. À toi de poser les limites, à toi de nous dire ce que tu veux dire de toi aussi. Tu mets souvent en avant sur ton profil personnel ta culture congolaise, notamment puisque tu es...
voilà, tu viens de Brazzaville, entre autres, c'est une de tes origines. Quel est ton lien avec le Congo-Brazzaville et quelle place occupe cette culture dans ta vie? Concernant en fait mon lien avec Brazzaville, il n'est pas en fait aussi fort que ce que je montre au quotidien parce que je suis né en France, c'est ma mère qui est congolaise, mon père aussi, et c'était à la fin du lycée, au début en fait de la fac, que j'ai commencé à embrasser, on va dire, cette culture, que ce soit par la musique, que ce soit par les plats, par le fait en fait de parler avec les oncles, etc., et d'apprécier en fait, parce que j'ai grandi avec, mais je ne m'en souciais pas jusque là. Mais c'est vraiment dernièrement que j'ai voulu en fait affirmer ce côté-là congolais, parce que je ne le savais pas, mais je l'ai appris récemment. Mais j'ai la double nationalité, ou alors je le savais mais je l'ai oublié. Mais j'ai la double nationalité, donc je suis franco-congolais, donc étant français et congolais. Il est important pour moi en fait de mettre en avant mes deux pays, parce que j'aime le Congo, la culture congolaise, j'aime la France aussi. Donc ce mélange en fait, j'ai envie de montrer ce que ça peut donner au quotidien. Tu es né dans l'Essonne, si je ne m'abuse, à Rissorangis. Ensuite, tu as basculé vers les Yvelines. Parle-nous justement de ta moitié française, du coup. Quel est ton rapport à cette culture-là, étant donné que tu as grandi dedans? Tu as cherché ta culture africaine, en fin de compte, et tu l'as trouvée. Aujourd'hui, comment tu arrives à concilier les deux? J'ai grandi, donc je suis né à Rissorangis et j'ai grandi à Rissorangis durant 13 ans. Et durant 13 ans, en fait, évidemment, il y avait cette culture française, et donc des enfants à l'époque de France qui suivaient les mangas, qui suivaient les dessins animés. Voilà, on avait des dessins animés bien à nous. On avait Martin Matin, je me souviens, à l'époque, des choses comme ça. Voilà. Et donc, dans cet univers-là, pour répondre à ta question, j'ai cherché ma culture congolaise. En sortant de cet univers-là, c'est pas vraiment sortir, mais c'est plutôt rechercher une autre part de moi-même, de ce que je suis. Je concilie les deux parce que j'ai cette culture congolaise, mais je n'adhère pas totalement à toute la culture congolaise. C'est-à-dire que je suis français avant tout parce que j'ai grandi ici, parce que je suis né ici, et parce que j'ai été diplômé ici, etc., etc. Donc, on va dire que cette culture congolaise, c'est plus un état d'esprit qu'une façon de vivre. Et finalement, en tant que binational, est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu t'es trouvé, ou comme beaucoup, peut-être que tu te sentirais éventuellement un peu apatride parce qu'en fin de compte, tu te reconnais moins dans une culture que dans l'autre, ou au contraire, quand tu vas à un endroit, on va dire que tu es de l'autre culture et vice-versa? Je pense, et c'est ça qui est drôle, mais ma place est en France, pour le moment en tout cas, parce que c'est ici que je suis né, c'est ici que j'ai grandi. Et que la première fois où je suis allé au Congo, j'avais 8 ans, c'était en 2007, j'étais arrivé en fait à un village vraiment reculé du Congo, Brazzaville. Et là-bas, quand je suis arrivé, les enfants qui m'ont vu, n'arrêtez pas de crier Mundele, Mundele. Et Mundele, ça veut dire le blanc. Oui. Donc forcément, c'est pas un rejet, mais c'est une histoire de se moquer un peu, de charrier. Mais c'est là en fait qu'on voit que moi, le Congo, j'y ai mis les pieds qu'une seule fois pendant 2 semaines, 3 semaines dans ma vie. La France, j'y ai toujours été. Donc forcément, en tant que binational, je ne ressens pas ce que les binationaux qui sont nés dans un pays, qui arrivent dans un autre, peuvent ressentir, parce que je suis né dans un pays, j'ai toujours vécu dans un pays, j'ai la nationalité congolaise, mais au fond, pour le moment en tout cas, je n'ai pas une attache réelle et historique avec le Congo, hormis mon sang. Est-ce que du coup tu as des influences, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton cercle qui t'a influencé, que ce soit une influence française, une influence congolaise, via tes parents ou tes cousins? Ma mère a eu beaucoup d'influence sur moi concernant la culture congolaise, mais je pense pas que ce soit celle qui m'a influencé le plus. Je dirais que c'est mon oncle.
le frère de ma mère, qui m'a beaucoup influencé en fait et m'a emmené vers cette culture congolaise-là parce que il est très attaché à ses racines. Il vit en Angleterre, mais il est très attaché à ses racines. Il y va très souvent au Congo, plus que moi, plus que ma mère, je pense. Et c'est pas lui directement qui m'a influencé et m'a emmené vers cette culture. J'y suis allé naturellement, mais c'est peut-être une cause qui fait que j'ai voulu y aller parce que je me suis dit, tiens, j'aimerais bien en connaître plus sur ma culture, vu comment je vois comment mon oncle fait, j'ai envie de faire pareil. Donc, ouais, je dirais que c'est ça. Est-ce que, du coup, toujours pour rester dans le cercle, dans ton cercle proche, est-ce qu'il y a une personne qui t'influence dans ces projets? Ça peut être le même oncle dont tu nous parles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un poids significatif dans l'ensemble de tes projets, que ce soit musicaux, que ce soit au niveau de ton écriture, de ton livre, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans le contenu que tu proposes? Dans mes proches, si je parle uniquement du côté littérature, je peux citer que ma mère, parce que quand j'ai pris la décision de me lancer en fait officiellement dans l'écriture d'un roman et que j'ai voulu le publier, c'est elle qui a travaillé le plus et qui a soutenu le plus pour que ce livre sorte et qu'il soit une réussite. Et donc, pour répondre, c'est bien ma mère en fait qui m'a poussé, qui m'a influencé à y croire, à y aller, à terminer. Des fois, c'est elle qui me mettait la pression comme si je lui devais des comptes en fait vis-à-vis du livre, parce qu'elle sait que je fais ça depuis très longtemps. Elle a tout vécu, elle a tout vu me concernant. Donc, pour le livre, c'est ma mère qui m'a vraiment initié là-dedans et qui m'y a poussé. Concernant les autres projets, que ce soit la musique, que ce soit sur les réseaux sociaux, les débats avec Shonen Radio, à l'époque avec 100% Blues, il n'y a pas une influence de quelqu'un du cercle proche. Je dirais que c'est plus le retour des gens vis-à-vis de ce que j'ai pu proposer qui a fait que j'avais envie de continuer, que j'avais envie de proposer autre chose, que je voulais faire plus. Parce que on fait quelque chose, on propose quelque chose, on voit le retour des gens, ils sont contents, ils veulent en savoir plus, ils veulent connaître plus aussi de moi, de ce qu'on fait, parce que ça leur plaît. Donc j'ai pas eu quelqu'un derrière qui m'a dit « allez vas-y, fais-le » à la base. Mais en proposant la chose, j'ai eu ce retour de c'est bien ce que tu fais, on aime ce que tu fais, on attend ce que tu fais. Ça me fait plaisir d'écouter ce que vous dites. Et c'est ça qui motive en fait. Donc ta maman, c'est ton premier supporter, mais c'est aussi ton premier critique. Est-ce que justement, tu évoquais le fait qu'elle a tout vu. Est-ce que tu lui montrais déjà ce que tu faisais quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu lui racontais tes histoires que tu inventais? Ma mère a été la première personne à avoir commencé la toute première version de Bataille pour la Suprématie, même si ce n'est pas celle qui l'a terminé la première, mais c'est elle qui a commencé en tout cas à lire la première version. Donc, tout Bataille pour la Suprématie, c'était elle la première lectrice. Et elle a émis quelques critiques, que ce soit en grammaire, en orthographe ou vis-à-vis de l'histoire, mais peut-être pas assez. Justement, peut-être que je me dis qu'elle a été moins dure sur ce qu'elle aurait pu dire que d'autres. Et c'est pas un reproche, mais voilà, elle a émis son avis. Elle a donné ce qu'elle avait à donner à ce moment-là. Est-ce que du coup, il y a 10 ans, tu t'imaginais être là où tu es aujourd'hui? M'imaginer il y a 10 ans? Ouais. En 2013, franchement, je ne pensais pas. Je le voulais, mais j'y pensais pas. Est-ce que le Curtis de 2013, qui était encore plein de rêves, est-ce que ce Curtis-là se disait, je peux y arriver? On savait qu'il avait l'envie, du coup, mais est-ce qu'il se disait au fond de lui, je peux y arriver? Non. Ah. Pas je peux y arriver, pas dans le sens où, non, t'arriveras pas, c'est nul, mais dans le sens où je me voyais ailleurs, en fait. C'était ma passion, c'était ce que j'aimais. Mais il y a 10 ans, j'aurais jamais cru que j'aurais vraiment en fait suivi cette voie à fond et que j'en serais là aujourd'hui en fait. Et du coup, le Curtis de 2033, tu l'imagines comment?
Là, le Curtis actuel, est-ce qu'il est satisfait de tout ce qu'il a pu accomplir jusque-là? Et est-ce qu'il peut se dire en 2033, je réussirai quand même, comme j'ai pu réussir en 2023 par rapport à 2013? Non. Dans le sens où, quand je dis non, ce n'est pas que je pense comme le Curtis de 2013. Oui. Mais c'est qu'en 2000, je sais que je peux faire des choses et accomplir des choses. Mais si je devais m'imaginer dans 10 ans, en 2033, ce que je veux, c'est en être où je suis aujourd'hui, mais à la fin. Dans le sens où, pour moi, ce que j'ai pu accomplir jusque-là n'est que le début. Mmh. Tu m'as demandé si j'étais satisfait. J'ai envie de dire non, parce que j'ai envie de garder cet esprit de « j'ai toujours faim et je ne peux pas me reposer sur des acquis. Je ne peux pas me dire que « oh, mais c'est déjà bien, j'ai fait ça ». Non, ce n'est pas déjà bien, parce que ce que j'ai fait, en fait, est censé être le début de l'aventure. Et donc, je ne peux pas être satisfait du début. Je peux être satisfait ou non, d'ailleurs, qu'à la fin de l'aventure. Et donc, ce que je veux en 2033, c'est être satisfait de ce que j'ai fait et d'en être au bout. C'est-à-dire qu'en 2033, j'espère que la saga sera terminée. Mmh. J'espère que j'aurai fait autre chose, par exemple, un autre roman, une autre saga, que j'aurais peut-être signé dans une maison d'édition, que j'aurais peut-être créé ma maison d'édition. Mmh. On ne sait pas. Mais en 2033, en tout cas, je m'attends à avoir accompli quelque chose qui fait que, en 2033, je sois reconnu pour ce que j'ai fait et que j'en sois fier. Du coup, tu nous partages tes envies, tes ambitions, même pour dans 10 ans. Est-ce que parmi tout ça, il y a un rêve que tu tiens à absolument réaliser par rapport à tout le reste, à tout ce qui peut te traverser l'esprit? Je pense que pour te répondre sur la notion de rêve et autres, c'est très important d'avoir même les rêves les plus fous, même si on ne les achève pas. Parce que je pense que c'est ça qui fait vivre aussi, c'est de se dire que je cours après quelque chose. Et même si à la fin de sa vie, on n'a pas réussi, on aura vécu. Et oui, on aura couru après quelque chose. Et c'est pour ça d'ailleurs que One Piece me parle beaucoup. Parce qu'il y a cette notion de rêve qui est grandement présente. Et si moi, je devais répondre à quel est ton rêve, pour être honnête, déjà, je dirais que j'ai peut-être réalisé les rêves que j'avais il y a 10 ans. Maintenant, est-ce que j'en ai pour la suite? Oui. Et je pense que le premier et le principal, ce serait d'essayer quelque chose dans le cinéma. Je vois bien, et je rêve d'ailleurs, de partir sur un film d'animation ou un film en live action. Mais en fait, d'avoir un film où mon nom est cité en tant que réalisateur ou en tant que scénariste. Et ça, par contre, tu vois, je ne suis pas sûr que j'y arrive, mais c'est dans la tête. Est-ce que du coup, dernière question par rapport au rêve, est-ce que une animation ou un live action de Bataille pour la Suprématie, c'est dans les petits plans? Est-ce que ça commence à germer dans ta tête? Les plans, non, parce que je sais où me poser des limites. Mm-hmm. Je te disais tout à l'heure qu'il me fallait, c'était pas grave si on courait après quelque chose qu'on n'obtiendrait pas. Mais ça, c'est dans le cas où on a un petit doute. On ne sait jamais. Sauf que là, je ne pense vraiment pas que, à mon niveau, en tout cas pour l'instant, j'ai la possibilité d'une adaptation de Bataille pour la Suprématie en série ou en film. Mais c'est le rêve, je pense, de tout auteur, finalement. Donc, l'envie est là, mais l'objectif, travailler pour l'instant, non. YC Curtis, tu as beaucoup parlé de toi, tu as beaucoup parlé de ton livre, mais tu es aussi un interprète, tu es dans la musique, tu es producteur, tu es compositeur. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la musique? L'écriture de base, parce que quand on écrit des histoires, on commence toujours par des petites choses. Et à l'époque, moi, j'écrivais des textes. C'était à la fin du collège, non, début du collège, 2012-2013. Et donc, à ce moment-là, j'avais vraiment cette envie, en fait, de faire quelque chose de ces textes-là, de chanter, de faire quelque chose, en fait, avec.
Et forcément, il y a une personne en fait dans la musique qui a fait que j'aille vraiment au bout. Et c'est Michael Jackson, qui est une influence qui a eu et qui a toujours d'ailleurs une influence immense sur ma personne, que ce soit en termes de style vestimentaire, que ce soit en termes de musique, en termes de musique dans le sens où j'essaye en fait d'avoir une vision qui lui ressemblerait. Non pas que j'ai la même influence, peut-être même le même talent, mais essayer en fait de s'inspirer de la manière dont il a construit ses albums, de la manière dont il a mis en place ses musiques et autres. Et même dans la vie de tous les jours, en fait, c'est une personne sympathique qui a beaucoup souffert, je trouve. Il y a ses allégations concernant voilà, les histoires de pédophilie et autres. Et ça, malheureusement, ça salit son image. Mais si on enlève ce côté-là et qu'on retient le bon qu'il y avait en lui, je trouve que c'est un exemple et un porteur d'espoir que même les plus grands ne sont pas forcément les plus pourris, on va dire, et qu'il y a eu des gens qui ont été sympathiques. Et quelqu'un comme lui qui a été au sommet du monde de la musique pendant 20, 30, 40 ans, qui a influencé beaucoup de personnes, dont moi, c'est un exemple tout court, je pense, à prendre. Mais oui, personnellement, il m'a touché et inspiré. Mais du coup, tu es dans la musique, mais j'ai l'impression que tu en parles moins que le fait que tu sois auteur. Est-ce que c'est voulu? Et pourquoi, finalement, peut-être pas ce mutisme, mais une telle discrétion, alors que c'est une autre grande facette de ta vie, finalement, la musique? Ça, c'est une bonne question, ça. Hey. Ça, c'est une bonne question. On a travaillé. Bah oui. Discrétion, oui, c'est le bon mot, je pense. Discrétion sur le fait que je fasse de la musique, parce qu'en fait, dévoiler, montrer au grand jour qu'il y a de la musique, que tu produis de la musique, suppose en fait que tu appartiennes à cet univers de la musique. Et de nos jours, la musique, ce n'est plus le simple fait de savoir jouer de la guitare et voilà, les gens ils écoutent de temps en temps, ça fait du bien, ça fait plaisir. Maintenant, en fait, surtout dans le domaine rap, on a en fait cette mentalité du showbiz, des affaires, du business. Et aussi concernant le rap, on a cette mentalité de la rue, de la banlieue, de la cité. J'ai grandi en banlieue, j'ai pas grandi dans une cité. Et même si aujourd'hui on démocratise de plus en plus qu'un rappeur, même l'entourage d'un rappeur n'est pas forcément quelqu'un issu d'une cité ou autre, on attend quand même à ce qu'il ait une certaine présence, que ce soit vestimentaire, qui soit un petit peu urbain, ou alors qu'il ait un vécu, quelque chose de quelque chose à dire. Moi, je pense pas que je sois un imposteur dans le fait de n'avoir rien vécu et de n'avoir rien à raconter dans la musique, mais je m'identifie pas en fait au monde underground, au monde du rap, et c'est pour ça qu'il y a ce mutisme là, parce que c'est pas que j'aime pas, c'est que je me sens plus à l'aise dans l'univers des auteurs et autres. J'aime bien caricaturer ça en disant que je préfère Versailles que Évry, où oui. Je passais mon temps à l'époque, et que malgré tout, j'embrasse les deux. Dans le sens où le samedi, tu peux me voir en costume, à signer des livres et autres. Le dimanche, je peux être en jogging, à écrire des tests, à enregistrer de la musique, à faire enregistrer de la musique. Mais c'est vrai qu'il y a plus de discrétion là-dessus. D'abord parce que c'est pas la voie que j'ai envie de mener, c'est pas là où j'ai envie qu'il y ait le plus de présence. Pour l'instant, c'est qu'une passion, c'est juste pour le plaisir. Et parce que le monde du hip-hop, du rap, ce n'est pas celui dans lequel je veux évoluer. Est-ce que du coup, la musique, c'est peut-être un jardin secret pour toi, un simple hobby? Comment tu définirais ton rapport à la musique et quelle importance elle a dans ta vie en fin de compte? C'est un exutoire. Ah, pourquoi donc? Parce que ce n'est pas en écrivant les choses que je me sens mieux, c'est en parlant.
J'ai remarqué en fait que j'étais quelqu'un qui, quand il était mal, avait besoin de parler. Et que comme je sais faire de la musique, c'était peut-être mieux de mettre de la musique en fait sur les mots. Mmh. Et c'est avec la musique en fait que, comme tu l'as dit, à l'époque, quand on était enfant, etc., il y en a qui avaient des carnets secrets, des choses comme ça, oui. Voilà, où ils écrivaient leurs rêves, leurs désillusions, etc. Les journaux intimes. Ouais. Les journaux intimes, voilà, c'est ça. Donc, chacun avait un journal intime à l'époque. Et moi, je n'ai pas de journal intime. Je dirais que c'est la musique, mon journal intime, où je partage ce qu'il y a de plus sombre, on va dire, en moi. Mm-hmm. Et quand je dis sombre, c'est les échecs que j'ai pu avoir, les déceptions que j'ai eues. Des fois, je donne aussi le plaisir que j'ai eu des fois à faire des choses ou autres, mais la plupart du temps, dans ma musique à moi, ce que je partage, c'est le négatif. Ouais. Parce que ça me guérit psychologiquement. Est-ce que du coup, tu choisis la musique en fonction de tes textes pour embellir cela et donner, disons, une belle forme à des propos qui ne seraient pas très beaux de base? Ou au contraire, tu écoutes une instrumentale, tu écoutes une musique et tu te laisses porter par ton flot d'émotions, par tes pensées du moment, etc. Je dirais que c'est la musique qui fait choisir ce que je vais dire. D'accord. Quand j'entends en fait une prod, quand j'entends une instru, je me dis qu'est-ce qui serait le mieux à dire là-dessus ? Qu'est-ce que je vais raconter là-dessus ? Et c'est plutôt comme ça que je pars. Même si c'est vrai que des fois, je sais ce que je vais dire à l'avance et c'est en fonction que je choisis. Mais la plupart du temps, c'est la musique qui me dit ce que j'ai à partager. Finalement, la musique, c'est ta face cachée et le fait que tu sois auteur, c'est la face que tu montres à tout le monde. Est-ce que c'est comme ça que l'on peut te résumer ou bien ce serait un peu trop caricatural à ton sens ? Non, je pense que c'est pas de la caricature. Je pense qu'on est en plein dedans. D'accord. Je pense qu'on est vraiment en plein dedans que... c'est une double vie en fait, hein. C'est vraiment une double vie dans le sens où en plein jour, devant tout le monde, tu me verras, voilà, dire je suis auteur, j'écris des livres, c'est ce que je fais, je suis créateur de contenu, on fait des space sur Twitter, Shonen Radio, 100% Blues, des choses en fait entre guillemets respectables, des choses où il n'y a pas de manque de respect, des choses où où tout va bien. Et puis, ouais, on peut dire que derrière, il y a la nuit où je change de masque et où c'est le rappeur qui vient, voilà, le rappeur, le producteur, c'est lui qui vient nettoyer, on va dire, purger la haine ou les désillusions ou autres qu'il y a dans le personnage qu'il faut préserver à la vue de tous. Mmh. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien utiliser ce terme-là de ce personnage qui est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, parce que voilà, on a Dr. Jekyll qui est l'auteur respectable, respecté et qui respecte les autres aussi. Et on a Mr. Hyde qui est la bête, qui est le rappeur, qui est le producteur, qui est celui, alors même que des fois on pourrait pas s'y attendre, qui va être très virulent envers des personnes, envers une société, envers cette société qui parfois n'est pas juste. Tu as plusieurs passions, t'es écrivain, t'es producteur de musique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te passionne vraiment, que ce soit un livre, une saga, un film en particulier? Est-ce qu'il y a des choses qui t'animent et voilà, qui peuvent même t'influencer au quotidien? C'est vrai que j'ai beaucoup parlé d'influence tout à l'heure en début d'interview, que je parle aussi beaucoup de mes influences. Mais au quotidien, c'est le moment de dire ce qui, moi, m'anime, on va dire. Premièrement, je pense que la chose en ce moment qui vraiment m'anime, c'est One Piece en ce moment, parce qu'on est en fait sur, on va dire, le climax du manga après 25 ans de publication. On est sur la saga finale, donc forcément, ça me touche en tant que personne d'abord. Avant de toucher l'auteur
qui s'est inspiré de l'œuvre d'Eiichiro Oda, que je considère d'ailleurs comme un exemple en termes d'auteur qui écrit, parce que il a une manière d'écrire, moi, qui m'a particulièrement impressionné. Mmh. Et donc j'ai repris en fait sa manière de faire, avec notamment les flashbacks, le développement des personnages, comment il les développe, l'univers, etc. Donc One Piece, pour l'instant, c'est ce qui m'a vraiment, c'est ce qui me passionne vraiment beaucoup en ce moment. Sinon, j'ai grandi avec Star Wars, Harry Potter, les deux. Souvent, les gens aiment bien dire, voilà, vous préférez quoi entre l'un ou l'autre. Moi, je vais pas rentrer dans ce débat-là, mais j'aime beaucoup cette idée des Jedi, ce que George Lucas a proposé en fait avec ça. Pour parler littérature, Percy Jackson, le clan des Hauteurs. Je parlais d'Harry Potter tout à l'heure, mais Percy Jackson est arrivé au bon moment, parce que c'était le moment en fait au collège où j'ai terminé la saga. J'ai terminé Harry Potter et il me fallait quelque chose de nouveau en fait, parce que j'avais tellement apprécié ma lecture qu'il fallait que je me replonge dans une lecture, mais pas une lecture standard avec un one shot. Il fallait que je rentre à nouveau dans un univers. Il me fallait quelque chose en fait. Et c'est là qu'est intervenu mon cousin à l'époque, Brian, qui est arrivé, qui m'a dit, tu connais Percy Jackson? Je lui ai dit, c'est quoi ça? Et du coup, il m'a expliqué, il m'a dit, tu vois, Potter, c'est un petit peu pareil. J'ai dit, bon, d'accord, ça tombe bien. Et donc, j'étais convaincu. Voilà, j'étais convaincu. Et là, quand j'ai lu le premier, quel claque. C'était quelque chose, hein. Ouais. C'était quelque chose, et c'est là où je me suis dit que j'aime la lecture. Et donc, je lisais beaucoup. Généralement, au collège, quand on donnait des livres à lire, les gens, ils étaient pas contents, ils étaient là. Oh non, on a un truc à lire, c'est nul, je vais aller sur Internet, machin. Moi, je les lisais, les livres. Ouais. Je les lisais de A à Z et j'étais content de les avoir lus parce que ça m'avait fait une belle lecture. Donc, c'est comme ça que m'est venu le goût de la lecture. Mais c'est vrai que sinon, à la base de ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, la manière de d'écrire, ma manière de même dans la musique, les mangas, parce que ça a été en fait comme ça que j'ai grandi, c'est avec ça que j'ai grandi. Dragon Ball premièrement, qui a été le premier manga qui m'a vraiment marqué, avec les tomes que je lisais sans regarder l'animé en plus. Donc c'est après que j'ai regardé l'animé, mais j'ai vraiment grandi en lisant les Sangoku et c'est comme ça que ma mère les appelait, c'est pour ça que je dis ça. C'est que, voilà, elle les appelait les Sangoku. Voilà, je vais t'acheter le nouveau Sangoku. Et donc j'ai l'impression que nos mamans sont pareilles. Voilà, c'est ça. Et donc une fois que qu'avec Dragon Ball j'en avais terminé, Naruto aussi est arrivé au bon moment, parce que Dragon Ball n'était pas vraiment terminé, mais c'était la grande époque de Game One avec Naruto. Oui. Et là, franchement, Naruto, ça a été... Il y avait aussi One Piece sur MCM. Ouais, mais sauf que moi, j'ai été en retard à ce niveau-là parce que ça a été Naruto d'abord. Naruto d'abord sur Game One, puis après Bleach, que j'avais commencé à l'époque, donc le Big Three. One Piece, j'ai commencé très tardivement, ça devait être en 2012-2013 sur Direct Star. Ah oui, quand même. Voilà. À l'époque où ça passait le soir, voilà, sur entre 18h30 et 20h45. C'est comme ça que j'ai commencé One Piece. Puis après, j'ai fait une pause et j'ai repris en 2016, donc une pause de un an environ. J'avais arrêté 2014, quelque chose comme ça. Et j'ai repris en 2014-2015, j'ai rush. Voilà, l'animé, je l'ai rush. Et 2016, je me suis mis au scan. One Piece, depuis, est devenu la référence, ma référence manga en tout cas. On pourra pas... me demander quel est mon manga préféré, parce que je pourrais jamais choisir entre Naruto et One Piece, mais ce que Naruto n'a pas fait, contrairement à One Piece, sans dire que c'est mon préféré, c'est que One Piece en fait est arrivé à un moment où j'en avais besoin, à un moment où j'étais pas très bien, et ça m'a permis en fait d'aller mieux, ce que Naruto n'avait pas fait, car Naruto m'a fait voyager, rêver, mais ça n'a pas été un soin. La différence est juste là. D'accord. Par rapport au cinéma, est-ce qu'il y a des films qui t'ont marqué? Quel est ton classique, ou vraiment, disons, ton top 5 des films que tu recommanderais à quelqu'un? L'immanquable. Pour toi, c'est ton classique, c'est ton préféré. Le Parrain. Oh. Sans aucune hésitation. Ah ouais. Le Parrain, c'est mon classique parce que ça montre en fait ce qu'est un film
de cinéma. C'est du grand cinéma. Ça dure longtemps, c'est vrai. Mais moi, je considère que, quitte à prendre le temps d'aller au cinéma pour voir quelque chose, à quoi sert de regarder un film d'une heure trente que tu peux voir sur TF1 dimanche soir? Oui. Si tu veux aller au cinéma, avoir cette expérience cinématographique, un film qui dure 2h30, 3h, je ne trouve pas que ce soit long. Je trouve justement que c'est ce dont a besoin le spectateur quand il va au cinéma. Et donc, Le Parrain est mon classique à titre personnel parce qu'il décrit en fait un environnement assez sombre. Et il montre surtout, à l'inverse des films où généralement, au début, le gentil n'a rien dans la vie et il essaye en fait d'être le plus sain possible tout au long de l'aventure en acquérant de la force, de l'intelligence, etc. Là où Le Parrain montre le contraire. Là où le gentil, le protagoniste principal, Michael Corleone, sombre dans le crime, devient parrain et s'allie en fait par cet univers, alors que c'était le plus sain de sa famille de base. Il devient le démon principal des Corleone, alors que c'était le plus gentil à la base. Et c'est pour ça que ce film m'a marqué, avec énormément de scènes mythiques. Vito Corleone, j'ai même pas besoin de le présenter. Donc. Hey. Le Parrain, c'est mon classique. J'ai du mal à faire des top 5 parce que j'ai beaucoup de films stars, beaucoup de films références. J'aime plutôt en fait sortir des films en fonction des catégories. Donc si je devais parler d'un classique, donc là on est au 20e siècle et c'est Le Parrain. Si je devais partir sur des films plus récents, par exemple un film, admettons, d'action, un blockbuster, mon classique en termes de blockbuster, c'est Avengers Infinity War, parce que ça montre l'aboutissement, en fait, même si c'est Endgame, l'aboutissement de tout ça, mais Infinity War, c'était quand même c'est la première partie, et ça montre en fait ce qu'on a voulu nous présenter durant une dizaine d'années, et puis c'était tellement bien travaillé avec le personnage de Thanos qui est juste exceptionnel, donc forcément, voilà. Star Wars 3, parce que c'est la chute d'Anakin Skywalker, et elle est drôlement bien racontée, et elle m'a beaucoup marqué, à tel point qu'il y a des dialogues que je connais encore par cœur, alors que ça fait peut-être un an ou deux que j'ai pas vu le film, mais il y a des dialogues que je connais par cœur. Et dans un autre registre, un peu plus dramatique, Forrest Gump. Oh. Forrest Gump, parce que c'est un peu l'histoire d'un gars un peu étrange, en fait, qui est handicapé en soi. Mais ça raconte en fait tellement de choses en même temps dans le film que on ne peut que être touché, en fait. Et Forrest Gump, c'est un film qui me touche énormément, parce que c'est pourquoi il a été fait et ça a marché sur moi. Maintenant, dans un registre de romance, pour terminer, parce que les films d'horreur, j'ai pas vraiment de classique, parce que je suis pas un grand suiveur des films d'horreur, mais même si j'ai bien aimé Get Out, je connais pas les grands classiques des films d'horreur, mais en termes de romance, c'est un petit peu cliché, parce que c'est du déjà vu, du redit, et voilà, Titanic, parce que même encore aujourd'hui, ça fonctionne bien, et il suffit de regarder le film pour comprendre pourquoi. Merci Curtis pour cette interview. Merci à nos spectateurs d'avoir suivi cette interview exceptionnelle. On se retrouve très prochainement sur nos réseaux sociaux et partout ailleurs pour d'autres contenus, d'autres interviews. De nouveaux concepts arrivent également. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.